Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Quantum Break, potentiellement ce dernier épisode de Quantum Break, acte 5, partie 3, les derniers moments. On va bien voir si oui ou non c'est le cas. Il faut que j'arrête de me regarder en bas à gauche, hein. Je sais que c'est énervant, mais j'ai tendance à me regarder pour voir comment ça rend. Là par exemple, je sais que je suis tout bleu. Je sais que mes cheveux font toujours de la merde à cause de ce foutu casque. Voilà, voilà. Hop. Pêche là, on voit bien qu'ils sont bien rouges. Hop. Bref. Pouah, c'est quoi cette mèche? Bah non, c'est pas dans le bon sens, c'est par là. Vous voyez, je me regarde trop. Bon, c'est pas grave. Niveau du son, c'est bon, j'entends rien. Peut-être qu'il n'y a pas de son. Peut-être qu'ils ont décidé qu'il n'y en aurait pas. Peut-être pas de chargement. Je reviens quand le chargement est terminé. Bon bah re alors, hein. Re. Ah oui. Ah oui, la piscine Bradsbury. Effectivement, oui. On a volé un taxi, je veux pas dire. Ah, hein. Oh, il lui fait son petit créneau, tout ça. Ok, retournez dans le présent. Écoute, de Jack. Je sais que je t'ai caché des choses, mais quand j'ai commencé à travailler, tu étais si jeune, et après... J'ai toujours espéré que tu ne serais jamais mêlé à tout ça. Ouais. Je comprends. Mais... C'est débile, elle est revenue. C'est elle qui était déjà là avant. Tout ça. Oula, il n'y en a que deux. Oh là là, j'ai peur que ce dernier épisode soit une grosse cinématique. J'ai peur que ce dernier épisode soit une grosse cinématique, chers amis, pardon. Excusez-moi, j'essaie de parler correctement, mais aujourd'hui j'ai du mal, hein. Hello there. Là, c'est fermé. T'as caché la machine ici. Tu l'as vraiment jamais utilisée toi-même? Non, j'ai pas osé, après que le type en soit sorti. C'était Paul. Il a essayé de me tuer. D'accord, c'est pas bon signe. Alors regardez bien cette porte, vous verrez qu'il y en a une qui est surélevée. Merde. Par rapport à l'autre. Elle est coincée par la rouille. Jack, tu m'aides? La mauvaise porte, hein. Allez, Simon, on y va. Hop, boum. Encore un coup. Hop, boum. Ben voilà. Quand Monarch est venu démanteler la machine à l'université, Paul était coincé dedans. Il s'est échappé dans le futur. Quoi qu'il ait vu là-bas, ça l'a changé. Il a réussi à trouver ma machine là-bas. Et il s'en est servi pour retourner en 1999. Ferme-toi. Et il a fondé ah Monarch. Ah non, je peux pas. Si, ça y est. Ok. Il a fui Monarch et il est devenu ce qu'il Jack, c'est par où? C'est de la folie. J'aurais jamais dû construire la machine. J'aurais dû laisser les choses comme elles étaient. Effectivement. Va-t-elle être encore là ou pas du tout? C'est que ce blanc... C'est pas une machine divine. Salut. Faut que je passe en premier, c'est ça que t'es en train de... Bonjour. Voilà. Et voilà. J'ai peur que ce dernier épisode soit une grosse cinématique. Très bien. Bon bah allons-y. Elle est toujours là. J'espère qu'elle marche. Ouais. Ok. On va aller dans le futur. Un peu après que tu es parti. Mais avant que la fracture n'arrête le temps, jamais. Je ne sais pas. J'ai un doute sur ça. Ça va être dangereux. J'ai un doute. Ça va être dangereux. Comme tout maintenant. J'ai un doute de t'envoyer au bon moment avant la fin du monde. J'ai vraiment envie d'essayer. Ah. Ça, c'est un vrai scientifique. Un mec qui a envie d'essayer son truc. Ils ne sont pas des cobayes. Alors. T'arrêtes pas, hein. Allez, avance. Faut pas repartir en arrière, hein. Hé, hey, Jack, quand on sortira, on arrivera un peu après le moment où tu es parti pour me sauver. C'est notre marge d'action. Quand on sait que ça peut marcher. Mais avant l'arrêt complet du temps. Va falloir agir vite. Monarch était persuadé que c'était imminent.
comme si c'était des experts. Ben, c'en est. Tout ce qu'ils savent, ils me l'ont volé. Occupe-toi de ta partie et laisse-moi m'occuper de la mienne. Ok, Will. Ça me va. C'est incroyable. Pendant toutes ces années, j'ai jamais pensé que ça serait comme... Merde. Attends, Will, je vais... La vache, il a pas eu des pouvoirs, lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait, la vache? Comment ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh la vache! Dégage. Hop. Hop. Qui c'est qui me tente de me faire des dégâts là? Hop. Hop. Hop les, c'est pas très dur hein, pour l'instant. Will, je dois le faire bouger. On n'a pas le temps pour ça. Hop. T'inquiète pas, ça vient, mais d'abord des munitions. Donc ils nous attendaient précisément. Et ils ont laissé ça en sachant pertinemment que la machine lui permettrait de revenir malgré tout. Quoi ? Je ne sais pas comment Will a fait pour arriver là, mais... Oublie-le. Tu le savais. Tout ça est plus important que toi ou moi. Tu sais que le temps va s'arrêter pour de bon. Oui, je le sais. D'où le plan capsule temporelle. Poignée de gens désespérés assis dans un bunker quelque part à attendre l'inévitable. Pour Saint-Paul. Tu as volé le RCC, Jack. Moi, je l'ai volé. Et tout mon plan en dépend. Alors, je veux que tu me le rendes maintenant. Je peux pas faire ça. Oula, ça pue. Je le sais. Ton holster est vide. Et les mecs avec qui il était, ils ont disparu, tout simplement. J'ai rien dit. Hop, désolé. Ah, non, raté. Est-ce qu'il est allé là? Bonjour. Désolé. Désolé. Oula. Kaboum. Ouh. Où sont mes copains? Ok, il n'y en a plus qu'un, je crois. Oula. Oh. Boum. En plein vol. Les troupes de... Qu'est-ce que c'est que ça? Oula. Aïe. Je suppose. M'expliquez pas ce que je dois faire, surtout, il se passe des choses que j'ai jamais vues dans le jeu. Arrête de te regarder, Marcus. Arrête de te regarder. Ça va venir avec le... Oh, t'es sérieux ? Hop. Allez, tire. Voilà. Bonjour. Tiens, le coup de shotgun dans la tête, ça fait du bien. C'est quoi ça? Boum. Voilà, c'est mes semblables d'explosif. Alors, on en a un là-bas. Boum. Aïe, aïe. Hop les... Bonjour les filles. Ah merde, j'ai fait le con. Ok, non mais tu vas te calmer toi, Simone. Hop. Oui. Je dois le faire bouger. On n'a pas le temps pour ça. Allez, maintenant le boss. Yo. Ne fais pas ça, Jack. Oh mais merde, je t'ai déjà vu me dire ça. Je ne sais pas comment Will a... Voilà. On y retourne. Un par un, en douceur, tranquillement. Ok, on va y aller au shotgun, ça va être mieux.
Hop. Ok. Boum. Où est ce fichu sac à, sac à dos? Hop. Viens voir papa. Hop. Pouh. Oh, 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 oh. Désolé l'ami. Ta machine, je te la pète. Alors, c'est là que monsieur pète une durite. Je cours perso. Ok. Il est vulnérable maintenant. Et où est-ce qu'il est surtout? Ouais, ça a marché. On doit le neutraliser. Oh, pas encore. Avancez, donnez l'assaut. What? Oh non, pas encore. Ah, oh, putain. Pff, oh, ce combat de merde à la fin. Il ressemble à rien. On meurt, on sait pas comment. Shotgun. Oh, quel dommage. Hop. Parfait. Boum. Dans le casque. Voilà. Non, tu ne mourras pas. T'as l'air de faire vachement mal, n'empêche quand il fait ça. Je peux pas dire, mais... Ok. Tu douilles ? Hop. Protégé. Ah, j'ai plus de bouclier. Je suis donc mort. Donc voilà ce qui s'est passé en fait. Le mec il a utilisé sa contre-mesure. Enfin sa contre-mesure personnelle là. Et moi je suis mort. Ok. Bon bah c'est cool, c'est pas, là, j'ai pas, c'est pas comme si j'ai l'impression de faire la même chose plusieurs fois. Bon, il va me falloir une carabine. Hop. Crac. Oh t'es pas mort. Hop. Là t'es mort. Boum, toi aussi t'es mort. Où est-ce qu'il est? Là-bas. Hop. Voilà. C'est une honte. Microsoft, c'est une honte d'avoir fait un jeu comme ça, une fin de jeu comme ça. On meurt, on sait même pas pourquoi ni comment. Alors, faut la m'expliquer très très vite. Alors, est-ce qu'il y a des objets? Hop. Ça c'est quoi? Je sais pas. Hop, tiens, bouffe. Ah bah toi t'es mort. Hop, voilà. Et merde. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce rouge? Il y a des espèces de zones rouges qui apparaissent, je sais pas pourquoi ni comment. Ok. Boum.
Voilà. Il l'a envoyé à l'autre bout. C'est pute. J'attends. Hop, voilà. Non, je m'en vais. Je m'en vais. On prend la mitra. Putain. Cours, bon Dieu. Il a des espèces d'AOE. Ah! Je me fais tuer par je sais pas quoi. C'est chiant. Il fait des espèces de mines là où il veut en fait. Bah c'est, ça doit être ça en fait. C'est sérieux, mais comment je fais pour l'éviter moi? Le mec il plombe tout le bâtiment en entier quoi. Oh la vache! Oh mais non! Mais c'est débile! Putain! Et je recommence encore et encore parce que le jeu est complètement pute! Je ne sais pas comment Will a fait pour arriver là, mais. Là, va falloir qu'on m'explique, là. J'en sais faire quoi face à ces espèces de... Hop, tiens, t'étais mort. Hop. Non, mais t'es sérieux? C'est une honte, Microsoft! Allez, recommence avec ces petites merdouilles. Mais non. Oh là là. Hop. Ok, on va essayer d'aller le voir en courant celui-là, mais... Boum, t'es mort. Ok. Allez. Meurs. Il n'est plus protégé. Bon. Pouvoir le rendre invincible. Non. Ok. Je vais encore mourir parce que ce mec a des AOE de la mort qui tue. Putain, si je reste immobile, il me bute. Mais non. Oh la vache. Mais non. Putain, je passe mon temps à le fuir. Hop. Ah, c'est génial comme fin de jeu vidéo. Je fais des ronds et des ronds, petit patapon, putain mine. Mais où vous êtes?
Ok. Hop, t'es mort. Tu veux bien partir dans... Mais... Oh mais non, mais t'es sérieux? Le mec il part dans la direction opposée de la caméra. Oh merde. Hop. Fusil mitrailleur, bah écoute, on va bien voir si c'est plus efficace. Hop. On court. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. La suite. Non, tu ne mourras pas comme ça. Allez, bouffe-toi une deuxième série de balles. Quoi ? Ce pouvoir le protège. Putain, il en a fait une deuxième, l'enfoiré ! Et là, il te protège toujours. Troisième réplique. À couvert. Ouf. Oui. J'ai tué mon meilleur ami. Non, il survit encore. Oula. Il est de moins en moins stable en tout cas. Pas de contact physique. Non. Ah bah. Ah bah si. Oh là 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 là. Ah, il a un problème de connexion, il est désynchronisé. Le pauvre. Oh là là. Oh là. Oh, ça c'était pas un joli bruit. Il s'est fracassé contre quoi ? Ah, contre le sol, tout simplement. Bon, bah pourquoi pas. Eh bah, c'était nul. Le jeu que j'ai payé pour la suite après ça coûte 7,50€ et je sais qu'il est mieux. Plus tard, on a une mission. Ouais, eh bah dis donc, c'est naze. Je vais devoir relier la contre-mesure au noyau. Elle est conçue pour hyper saturer le champ de Meyer-Joyce de particules chronon. La machine a voyagé dans le temps, agit comme un amplificateur. Ça va provoquer une réaction en chaîne et régénérer le champ. Ça sera un événement universel. Je te fais confiance. Contente-toi de tout mettre en place. Jack, viens me donner un coup de main. Pourquoi faut toujours que je donne des coups de main à tout le monde? Qu'est-ce que je peux faire? La contre-mesure n'est pas assez chargée. Il va nous falloir un afflux de particules chronon. Un déclencheur. C'est toi. Tu vas te sacrifier pour le monde. Vous auriez pu le faire en film. Trois succès, on va comprendre. T'arrêtes pas. Dépêche-toi. Ça marche. J'ai l'impression de repousser l'univers tout entier, putain. C'est bon. Oh, il s'est désintégré, le pauvre homme. La contre-mesure. Elle a réparé le temps dans le monde entier. Ce qui avait été détruit l'était toujours. Les morts ne reviendraient pas. Mais c'était fini. Jack. Will. Le temps avait repris son cours. Allez. Allez. Je crois qu'on vient de sauver l'univers. Ouais.
Où est Paul? Il est mort. Évaporé, enfin, peu importe. Will, il se trompait sur toute la ligne. Tu crois? Will. La contre-mesure a fonctionné. Waouh. La contre-mesure est grillée. Ok. Mais le champ de Meyer Joyce devrait être stable maintenant. Ah, il va disparaître. Bien sûr, je vais devoir faire des tests pour confirmer. Mais... Ah putain, en fait c'est sa vie qui voulait sauver Seren. Lui va mourir. Parce qu'à chaque fois qu'il sauve l'univers de ça, il redevient malade. Non? On saura pas? Je sens qu'on saura pas. Une dernière question. Mm-hmm. Toute la philosophie de Paul Seren reposait sur le fait que le temps est immuable, qu'on ne peut rien changer. Au moment des événements, vous n'étiez pas d'accord. Et maintenant ? Mais après tout ce que vous avez vu et vécu, nous devons savoir. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ? Avait-il raison ? Il va avoir une bague ou un truc dans le genre. Où peut-on changer le cours des choses ? Oh, il lui a parlé ? Je reviendrai te chercher. Il lui a donné de l'espoir, putain, c'est ça ! Ah bah voilà, d'accord. Ok, je viens de comprendre en fait. Il lui a donné de l'espoir au moment où elle savait, où lui savait qu'à un moment elle allait être désespérée. Et il lui a donné l'espoir de croire qu'il reviendra. Mouais, eh ben... Six sur 20. Faut être honnête, hein. L'histoire est intéressante. Mal amenée, mais intéressante. Là où il devait y avoir de la série, on n'a pas suffisamment. Il y a tout un... Ils se sont plantés sur beaucoup de choses, en fait. Hein. C'est... Ouais, non, peut-être pas. 7 sur 20, je suis peut-être un petit peu méchant. On va dire... Allez, 11. Ce qui mérite plus de la moyenne quand même, graphiquement rien que pour ça, il mérite une bonne note. Mais c'est vraiment pas le jeu de l'année, je lui donne, voilà, 11, c'est un point au-dessus de la moyenne. C'est la moyenne plus un point pour l'effort réalisé sur le mélange. Mais honnêtement, c'est très moyen, très moyen. Je sais pas si je peux accélérer ça, je veux pas essayer, parce que s'il y a une cinématique derrière, je voudrais bien la voir, savoir comment ça va se passer. Mais bon. Bon, pour le jeu qui arrivera donc ensuite, donc normalement donc après-demain pour vous, le jeu en question pourrait être assez rigolo, hein. C'est un truc que je fais pas assez souvent, c'est une espèce de roguelike horror. Vous verrez bien, pour ceux qui restent du coup jusqu'à la fin de la vidéo ici, qui regardent donc cette série, qui ne sont pas nombreux, hein, cette série n'a pas été très regardée, c'est pas grave. Je voulais absolument faire le jeu et j'avais été déçu qu'il sorte sur Xbox, Windows 10 à l'époque, donc je l'ai fait. Il n'empêche... que honnêtement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, pour 7,50€ en promo Steam, au lieu de 9€ je crois, un truc comme ça, hein, je sais que le jeu, je vais plus m'éclater dessus que sur celui-là. Honnêtement. Il n'y avait pas d'amusement dans ce jeu, aucun fun, que ce soit dans le gameplay ou dans le reste. C'est rigolo, 2 minutes d'arrêter le temps, de courir à travers les portes parce que ça va plus vite que le temps, enfin bref, tout ça c'était vachement rigolo. Cependant, faut pas exagérer. Ça fait pas tout un gameplay, ça fait pas toute une histoire. J'ai bien aimé le petit retournement de fin qui est très mignon parce que finalement, lui qui est en fait tout ce qu'il fait, c'est pour remonter, sauver la vie de son frère qui n'est pas mort. Donc c'est stupide, mais bon, c'est bizarre. En fait, il y aurait forcément, en fait, tout le jeu qu'on fait, compte tenu de ce qui se passe à la fin, ce qui se serait passé, c'est que nous on se serait barré. Et l'autre serait revenu, dans le temps présent en fait on s'est barré, on est revenu 10 minutes plus tard, et on a sauvé le monde, donc quoi qu'il arrive, le monde était sauvé. On a juste assisté
à comment il a fait pour le sauver. C'est plus un film ou une série, justement, qu'un jeu vidéo, et c'est vraiment dommage. Et donc, là, il n'y a pas de son. Bon, ça, c'est, je sais pourquoi. Simplement parce qu'en fait, le jeu a une option permettant de supprimer tout ce qui est musique. Mais bon, c'est pas très très grave, c'est pas ça le véritable problème. Moi, j'aimerais bien voir s'il y a une suite à ça. Je sais pas, Liam Burke, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est complètement mort? Ou pas? Sa femme, est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'ils vont avoir un gamin? Je sais pas, enfin, finissez l'histoire, quoi, merde. Je vous rappelle qu'il y a au moins 3 épisodes sur Liam Burke. Non, 2. Parce qu'il y en a que 5 au total des épisodes. Ah non, il y en a peut-être 3. 3 où il est dedans, voire plus, peut-être même. Je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, ce film est vraiment pas bon. Quand je vois... Enfin, moi, j'adorerais, là, pour le coup. Là, en ce moment, je fulmine de l'intérieur parce que je peux pas jouer à Gears of War 4. Bon. Je comprends le principe de Windows 10, hein, vouloir éliminer la concurrence Steam. En tout cas, essayer de se faire un marché à la place, à côté de Steam. Ça, ils vont pas réussir à le faire, clairement. Hein, ça... parce que finalement, les gens, ils vont... Enfin, on va tous passer à Windows 10 au bout d'un moment, mais on passera quand même sur Steam. Et je suis voué un jour ou l'autre à passer à Windows 10, et je pense que je ferai un Windows 10 en dual boot, j'achèterai Windows 10, et je le mettrai en dual boot sur le PC pour pouvoir vous tourner des jeux récents sur Windows 10. Mais honnêtement, c'est très 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 décevant jusque-là. C'est très 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 décevant. En l'occurrence... voilà. Je vérifie juste un petit truc à côté. Parce que Watch Dogs 2 qui arrivera donc le 28, hein, de mémoire, le 29 novembre. Vous voyez, disponible le 29. Bon. Si vous le dites. Voilà. Windows 8.1, Windows 10. Voilà. Donc il prend tout. Et je sais que le jeu, je le ferai tourner à fond. Et honnêtement, je pense qu'il sera, il sera vraiment... Ouais, voilà. Donc je sais que je pourrais faire tourner le jeu à fond. J'ai regardé pour la carte graphique, tout ça. Mais non, il n'y a pas de souci. Je ferai tourner le jeu à fond dès sa sortie. Et il n'y aura aucun problème, clairement. Mais l'intérêt de bloquer les jeux sur Windows 10, je trouve ça stupide. De les fixer sur Windows 10, je trouve ça stupide. Ça, moi, ça me donne pas... Enfin, vous imaginez sur le principe ? Enfin, c'est comme si on commençait à voir arriver sur PC. Enfin, vous me direz, on en avait déjà, des jeux Linux qui sortaient pas sur PC, sur Windows. Ou Mac qui sortait... Enfin, iOS, parce que c'est iOS maintenant, c'est plus Mac. Quoique, je sais pas, c'est peut-être Mac. Hein. Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, des exclusivités, mais... On peut pas se permettre dans un monde où on a toujours prôné l'ouverture d'esprit, parce que, enfin l'ouverture des commandes, la liberté entre guillemets, parce que c'est ça à la base, hein, Windows, c'était voilà, vous pouvez télécharger telle application, vous aurez ce que vous voulez. Et là d'un seul coup, ah bah on fait plus assez de fric pour ce qu'on fait, ou on en veut plus, et du coup on fait telle ou telle chose. Et là Microsoft montre encore une fois qu'il est capable de faire des choses pour l'argent et uniquement pour l'argent. Et là ce jour on est un très bon exemple. Ce jeu est vraiment un très très bon exemple. Ils ont mis énormément d'argent dedans et ça a été un véritable flop. Pourquoi ? Parce que le jeu n'est pas bon. C'est une série, c'est pas un jeu. C'est dommage. Il y avait moyen de faire un truc bien. Mais après seulement, ils ont inclus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le développement du jeu, à la base, n'incluait pas tout l'aspect série et tout l'aspect tête connue du casting. À la base, je vous invite à voir les toutes premières vidéos sur Quantum Break. C'était pas du tout l'acteur, je crois que c'est un brun. Cheveux noirs, visage rectangulaire, carré avec une grosse mâchoire. Mais rien de tout ça. Donc bon. Je sais pas. Bon, est-ce qu'il y a une scène post-générique ? On n'est pas encore à la fin. Parce que là, on est sur le tournage de la série. Oh là 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 ! C'est 100 fois trop long. Et Mickey, mais... Bizarre. Bon, de toute façon, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est tout simplement ce qu'il y a après le casting. Après ce générique.
Oh mais merde! Bon, je passe. Allez, fuck it. Qu'est-ce qu'il y a après? Vous avez été très patient avec nous. Et très coopératif. Je te le fais pas dire. Merci. Ouais, mais ma patience commence à atteindre ses limites. Ouais, moi aussi. Je comprends. Je vous en prie. Monsieur Joyce. Oh putain! Finalement, vous vouliez me parler, pas que je vous raconte ma vie. Vous étiez au centre de ces événements. Vous pouvez comprendre notre envie de tirer tout cela au clair. Et vous faites porter le chapeau à Paul? Belle prouesse. Paul Seren n'a jamais écouté que lui-même, vous le savez. Lui et ses délires de grandeur ont failli détruire Monarch. Mais cette entreprise peut encore être sauvée. Et vous pourriez nous y aider. Ce n'est plus le Monarch que vous connaissiez, Monsieur Joyce. Nous sommes conscients de vos capacités exceptionnelles. Et nous savons tous deux que nos experts pourraient répondre à vos besoins. Nous pourrions nous entraider. C'est quoi cet aspect Matrix? Eh ben dis donc. Oh là 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 là, bah jusqu'au bout ça aurait été mauvais. Eh bien écoutez les amis, du coup, merci d'avoir regardé cette série, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures dans d'autres jeux. Sur, enfin dans la Playroom simplement, sur la chaîne, comme d'habitude. Salut et yo!